Salut à tous, c'est Falcor dans une nouvelle vidéo sur Pharo A New Era. On arrive face à un dilemme où il y a deux cités possibles, Abjedou et Bedet. Je vais faire les deux, mais pas dans la même vidéo évidemment. Là, on va faire Abjedou. Et alors il nous faut petit mastaba moyen. Ah, ça c'est mieux que la dernière fois déjà. Prospérité 25, ok, culture 25. Architectural 17, bah oui, c'est basé là-dessus. Et ça, la population, bon, ça se fera tout seul, je pense. Abjedou, le sanctuaire de nos anciens. Ah, on va pouvoir s'occuper de faire des bateaux et tout. Ça veut dire que les routes commerciales vont peut-être être faites avec ça. Ok. Oh, il y a des crocodiles. Comment on fait? Alors, est-ce que c'est sorti de ce truc-là, là? Est-ce qu'il faut que je bloque ça? Admettons, bâtiment au hasard, si je le bloque... Attends, un truc plus petit. Ah ouais, comment je fais? Oh, c'est un énorme problème, ça. D'accord. Il y a des crocodiles. Est-ce qu'il me donne une information là-dessus? Non, il s'en fout. Il va me laisser dans la merde. Bah, c'est cool. Ah, et puis c'est bien choisi, parce que... C'est partout là où il y a des zones exploitables. Ouais, même là. Ok, là, on a du papyrus. C'est quoi ce bordel là? Le caillou en masse, mais attends. D'accord, je peux pas. Je ne peux pas exploiter. Je trouvais ça bizarre aussi, mais je peux pas exploiter de la pierre. Je pourrais pas miner. Bah c'est cool. Par contre, je pourrais faire des roseaux. Je pourrais faire bah, évidemment des bateaux. Briqueterie. À partir d'argile. Mais il y a pas de puits d'argile non plus. Je peux faire de la poterie, mais je n'aurai pas d'argile. Bah, c'est très très intéressant. Ça c'est pareil, comment je fais ça? Alors que je peux pas faire de cuivre. Ah ouais, on a bien des gros bâtons dans les roues dès le début. Bon bah en tout cas, visiblement on va pouvoir se nourrir surtout de la pêche. Avec crocodile, je sais pas comment on fait. Parce que la flicaille, je crois pas qu'ils s'en débarrassent. Hein. Je sais pas, on verra. On verra s'il y a une solution s'ouvre à moi. Les routes commerciales. Ah oui, il y en a plein. Bah alors, on va peut-être avoir... Ok, alors ça, de toute façon, je peux pas en faire. Ça, ah, ils achètent du poisson, eux, et de la bière. J'espère que je peux en faire. J'ai vu des trucs inondables, donc à mon avis, oui. Bière, orge, très intéressant, je pense. Eux, ils sont pas intéressants. Eux non plus. Et eux, du bois. Ouais. J'ai bien envie de faire ça dès le début, là. Hop. Ça, c'est les deux routes qui vont être très intéressantes. Donc, il va falloir qu'on blinde sur l'orge, sur... C'était quoi, l'autre truc? Le poisson, oui. Cet endroit me paraît pas mal, là, juste là, là. Parce que là, orge, poisson, on a la route qui est pas loin, et surtout, le crocodile est pas trop proche. Là, ici, c'est intéressant, mais en fait, ouais, la zone verte est trop petite. Ça va être super chiant. Puis là, il y a trop de crocodiles, donc laisse tomber. Ouais, je vais essayer de construire par ici, je pense. Plus haut, il y a rien, ok. Petite faveur d'Osiris, merci. J'ai bien envie d'essayer de faire un... Alors, comment on fait ça? Déjà, de mémoire, il faut que je laisse deux places. Voilà. Aucun accès? Bah, c'est normal, mec. Mais je peux pas, mec! T'es en train de me niquer ma partie, à vouloir me réclamer des trucs que j'arrive déjà pas à exporter. Là, il y a de l'orge. Ça va partir, l'orge, quand même. Les brasseries tournent à plein régime, ok. Chômage à 13%. Bien. Alors, on va diminuer. Ah, ok. Il y a de la thune qui est rentrée. Ouh. Enfin. Les chefs, fais voir. Orge, ça commence à bien se remplir, mais le poisson... Ah, le poisson, ça commence à être bien aussi. On va peut-être arriver enfin à faire quelque chose de propre. J'aimerais bien que ma ville puisse tourner au moins un peu toute seule
pour que j'arrive à laisser l'argent remonter. Le gros problème, c'est le pharaon de merde qui a décidé de me plumer jusqu'à la moelle. Je peux essayer là de me risquer à rajouter un truc d'orge. Il a l'air de s'arrêter. Ouais, ils vont pas plus loin que là. Donc, si je fais une route qui passe comme ça, je pense qu'il n'y a pas de risque. Est-ce qu'ils se font attaquer? Je crois qu'ils se font attaquer. Épidémie? Oh non, bah non, il manquait plus que ça, bordel. Alors lui, par contre, il va beaucoup trop loin, là, avec son dos. J'ai vu comment ça s'est dégradé d'un seul coup, alors que ça commençait à être mieux. Alors, attends. Il va pas me dire encore que... Il m'aime énormément. Il y a de l'immigration, il y a du chômage, mais je continue à me faire piller la tronche. Après ici, j'ai pas fait de... J'ai rien fait pour les impôts. Politique, politique. Je vais envoyer un cadeau. Voilà, faut essayer de... d'appâter. Mes entrepôts qui sont là sont pleins, donc ceux-là, ils devraient pas tarder à se remplir. Oh, j'ai eu un 1000. Ok, ok, ça va redevenir normal. Comment ça se passe, là? Ah ouais, large, large, large. Y'a rien d'autre que je peux exporter? La toile. Ah oui! Ah oui, y'a la toile! Merde, j'avais pas pensé à ça, mais c'est carrément trop bien, ça. Voilà, du coup, j'ai mes petites fabriques de lin. J'ai refait des entrepôts pour pouvoir ramasser tout ça, et ouais... Ceux-là, ils se remplissent pas bien vite. J'espère que ça va se faire quand même plus rapidement que ça. Et je suis toujours embêté par les crocos. Attends, j'ai bien envie d'essayer un truc, là. Je sais pas si ça va marcher. Lui, là, par exemple, je vais essayer de le piéger. Je sais pas si ça marche, hein. Si je l'emmure... Ça marche pas. Ou alors faut qu'il soit arrêté. Là, il est arrêté, mais bon, il y a des routes. Ouais, j'en ai... Oh, tiens, lui, il est arrêté, là. Qu'il reste arrêté. On va essayer. Parce que si j'arrive à les bloquer... C'est bon, c'est des bâtiments, quand même. Ils peuvent pas traverser les bâtiments. Fais voir. Alors, lui, en fait, pour être fixé, faudrait qu'il bouge. Eux, par exemple, c'est pareil, ils bougent pas. On va partir du principe que ça va marcher. Alors je sais, oui, niveau maltraitance animale, bon, ça se pose là, mais en même temps, c'est eux qui ont commencé. On va voir, donc là, il y en a trois, au moins, si je vois que ça change rien, bon bah, je serai fixé. Et je vois que c'est pas très cher en plus, mes statues, là, donc... Ah, autant vous dire que je m'en donne à cœur joie. Là, vous avez voulu me pourrir ma partie? Eh ben, on va voir. Est-ce que là, vous pouvez bouger? Est-ce qu'ils ont bougé, eux, là-bas? Eh, je crois que ça marche, hein. Meilleur niveau du royaume, oui. J'ai bien envie de faire une armée juste pour la classe. C'est vraiment juste... Juste histoire de... En plus, je peux faire des navires de guerre. Fabrique d'armes, ouais, ça sert à rien. Attendez. Ouais. Peut-être me ruiner un peu, en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée. En fait, je peux pas faire d'armes, ça sert à rien. Ouais, j'ai 0 unité d'armes. Bon, puis je suis pauvre. Donc en fait, oui, c'est peut-être potentiellement une très mauvaise idée. On va pas s'en priver. Voilà! Le bazar local. Ouais, il y en a un qui est là, mais c'est pas terrible, ça. Oh, merde! Ah! Alors c'est le moment d'aller vérifier. J'ai personne. Je vais importer des armes. Ah c'est... Oui c'est bien, ça arrive au pire moment possible ça. Merci. Ah, est-ce que j'ai de la toile? Ouais j'ai de la toile qui commence à s'emmagasiner. Je peux rien exporter d'autre. Bah les briques, mais j'en ai besoin de mes briques, donc non. Je peux... Ouais, directement importer des armes.
Juste importer les biens requis. J'espère que ça coûte pas trop cher. Juste parce que ça rentre pile poil. Hein. Besoin de main d'œuvre. Ouais, peut-être que j'arrête d'acheter des trucs là. Je vais accélérer le jeu, voir comment ça se passe. Ouais, ouais, endettement, bah oui, évidemment. L'armée m'envahit, je sais, mais est-ce que ça marche? Faut que les armes arrivent absolument. Peut-être blinder un peu plus le truc. Arrête avec ça. Oh là là, en plus ils sont augmentés dans le royaume. Alors est-ce que la population m'aime? Ils m'adorent. Et bah voilà. Par contre, ouais. Ils voient l'augmentation partout. Oui, je te livre ta bière. Ils arrêtent pas de me dire que je me fais envahir, mais là je peux rien faire. Là, ça... C'est pas en train de se remplir. Partir au combat. Oh, puis en plus, c'est des bateaux. Je rentre à la cité. Oh, ils m'ont pété des trucs, les bâtards. Palais du village. Demeure luxueuse personnelle. Alors. La toile, c'est bon. Orge, ah ouais. Orge. On va peut-être détruire 2-3 bâtiments. Pour l'orge. Voilà, toi tu dégages. On va le mettre de ce côté-là, parce que c'est là qu'il y a les briques. Voilà, monument. Mastaba moyen. Là, les gars, je pense que ça va le faire. Vu toute la brique qu'il va falloir... Oui, je te livre ta bière. Au niveau du royaume, 98, bah voilà. Prospérité, ça commence à être pas mal. La culture, bah c'est... Ça va se faire, ça va se faire. Et la culture, oui, bah oui, oui. Pour la culture, il faut le papyrus. C'est pour ça... Attends, est-ce qu'au moins je peux... Oui, c'est bon. Ça aurait été horrible. Allez, là le deuxième c'est pareil, je vais te l'ajouter moi. Oui, ça c'est bien comme ça. Oh là là, regardez-moi ça. Allez, allez. Vous savez quoi? On va pas y aller par quatre chemins. Voilà, là je vais importer des briques. Des biens requis. C'est pour terminer ça, une fois qu'on sera terminé, qu'on sera bien tranquille, je pourrais importer un peu de nourriture parce que je vois bien que ça commence à être juste. Ah, quoique. Il y a ce qu'il faut là. Ah, mais il va me dire encore main d'œuvre, nanana. 311 habitants nécessaires. Ah, les lieux de culte, j'ai oublié les lieux de culte, oh le con. Oui. Moi je dis, on va faire un mini quartier là. Hop là. Hop là. Ah, puis il m'emmène... Où est-ce qu'il me l'emmène, le poisson au grenier direct? Ouais, c'est ça qui est débile aussi. Enfin, dans comment je fonctionne là. Si je mets pas un grenier juste à côté, bah évidemment, ils vont emmener la bouffe 10 fois trop loin. Voilà. C'est pour qu'après, bah, les maisons elles soient correctement desservies, c'est logique. Alors, niveau nourriture, est-ce que ça va s'améliorer? J'espère que oui. Le mastaba est terminé, oui. C'est le petit qui est terminé. On va regarder les chefs des niveaux. Prospérité, ça descend, c'est normal. C'est parce que bah, je suis en train d'importer comme un gros sac. Alors peut-être ça vaudrait le coup de mettre un grenier par là, là. Faut pas que ce soit trop près des habitations, sinon... Ah, nanana, c'est moche. Besoin de manœuvre encore. Bon, je pense que déjà... Le mastaba est terminé, ouais, j'ai mon deuxième mastaba qui est terminé, le deuxième petit. Allez, maintenant, ils vont tout blinder sur le gros. Oh, il est presque fini. Ah non! C'est celui-là qui est pas fini. Oh, bah écoutez... C'est pareil, là, on va libérer de la main-d'oeuvre. Hein. Pour un petit truc comme ça va aller.
On attend encore des briques, hein, c'est tout. Oh là là, c'est blindé, ça c'est incroyable comment c'est blindé. Le mastaba est terminé. Il y en a un. Alors, c'est pas terminé. Ma population, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui manque? Ah, c'est qu'ils veulent un autre monument, peut-être. Bah. Parce que je pensais que le mastaba. Ah non, c'est la culture. Il n'y a pas de musicien. Mais bande de bâtards, tout allait bien, là. Bon, en tout cas. Ah bah, ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai juste eu à les insulter, et puis ils ont arrêté leur connerie. Bon, bah voilà, victoire, hein. Bon, 100, voilà, niveau du royaume, 100. C'était difficile de faire mieux. Population, c'était 2500 l'objectif, donc largement dépassé. Voilà, le niveau de construction, bon bah ça se fait avec les merveilles qu'on peut faire, hein, tout simplement. Enfin, j'appelle ça des merveilles à cause de Age of. Le commerce qui m'a vraiment encore une fois sauvé la vie quand j'étais au plus mal, c'est dès que je me suis rendu compte que j'avais oublié que je pouvais exporter du tissu, bah alors là, infinito, comme dirait l'autre. Et niveau de culture 25, bah oui, je suis pas très très à cheval sur la distraction et tout, les dieux j'essaye de les chouchouter, mais les temples, j'ai tendance à oublier ça du coup. Bref, alors je peux pas vraiment mettre mission suivante, je vais cliquer là quand même, mais voilà, la prochaine mission, c'est Abu. Abu ou Célima. Ah ouais. Ça va être sympa, ça. Mais en fait, c'est pas ce qu'on va faire. Parce que j'avais dit que je ferais tout. Donc je pense que je vous ferai quand même ça, Bedette. Vous voyez, Bedette. C'est les mêmes exigences, mais avec un... Ah non, c'est simple. Un petit peu différent, en fait, les exigences. Ah, c'est plus facile, peut-être. On dirait que tout est plus facile. Alors, armée navale du pharaon, c'est peut-être que c'est beaucoup plus axé sur la baston. Ça doit être ça. Mais en tout cas, vous avez vu qu'au niveau de la campagne, et bah ça y est, on est rendu là. Et là, bon Dieu, il va y avoir du taf. Hein. Ça va être long. Hein. Après, il y a peut-être des endroits où il y a plus de choix. Bah, par exemple, là, j'ai le choix entre ces deux-là. Celui-là, il va peut-être être tout seul. Ah, c'est difficile à dire. Hein. Bref, eh bien écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Salut.